1, 2. Bonsoir à tous. Si vous pouvez gagner les places, il reste des places devant notamment, n'hésitez pas à venir. Donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. J'ai la joie d'ouvrir cette grande conférence de la chaire Éthique et Innovation. Et pour ouvrir cette conférence, je voulais simplement dire peut-être deux mots sur la chaire Éthique et Innovation, dire ce qu'elle est, et puis je pense qu'elle dit aussi quelque chose de ce qu'est l'UCO. Donc c'est l'occasion de mettre en lumière un des traits de l'UCO. Vous savez que l'UCO, c'est 8 campus qui sont répartis sur tout l'ouest de la France, et puis dont 2 outre-mer, à Papeete et La Réunion. Et donc l'UCO a cette caractéristique d'être une université qui est très proche de ses territoires, qui est très en lien avec ses territoires. Et c'est pour ça que, assez spontanément, en 2018, s'est créée la première chaire de l'UCO, qui est la chaire Éthique et Innovation, qui s'est faite en lien avec des acteurs économiques et des entreprises du territoire. Donc, alors, assez souvent, on nous demande qu'est-ce que c'est qu'une chaire? Alors, je précise tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, une chaire, ça s'écrit Chaire, parce que je vois qu'il y en a qui prennent des notes. Une chaire, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un lieu de rencontre entre des étudiants, les étudiants de l'UCO, des enseignants-chercheurs, qui cherchent sur une thématique de l'UCO aussi, et puis des entreprises du territoire qui sont intéressées par cette même thématique. Alors l'UCO a toute une série de chaires, entrepreneuriat et territoire, ressources humaines, avenir du droit qui est en cours d'élaboration, une chaire Afrique, une chaire Vietnam, et puis la chaire éthique et innovation, elle a pour volonté de déployer tout le champ éthique, en se disant que là, peut-être l'UCO peut apporter quelque chose de propre comme université catholique à la réflexion commune. Alors, quelle est l'intuition de cette chaire qui a été créée en 2018? C'est simplement de dire que dans une société qui est la nôtre, qui est la société technique du progrès, très souvent l'innovation va très bon train, va même très vite, et ensuite l'éthique essaye de suivre. Autrement dit, on invente des nouvelles choses. Et puis après coup, on se demande en fait, est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que c'est bien ou mal? Est-ce que ça crée quelque chose ça fait avancer la société dans le bon sens? On est souvent dans cette dimension, l'innovation et l'éthique à la remorque. L'intuition de cette chaire, c'est de dire que peut-être l'éthique a vocation, pardon, à féconder l'innovation et à créer les vraies innovations, les grandes innovations. Et donc que l'éthique doit précéder l'innovation. Donc c'est ça que la chaire veut déployer et c'est ce soir ce qu'on va un peu explorer dans un champ particulier qui est le champ de la finance globale, mondiale, puisque notre invité est spécialisé dans ce domaine. Donc on va parler de ça. Donc je n'oublie pas d'accueillir aussi tous nos amis qui nous regardent à distance par les lives YouTube qui est déjà lancé, notamment Aki Nishio, j'espère que je prononce bien, qui est vice-président de la Banque mondiale, qui est un alumni de l'UCO, du CIDEF, qui est japonais, et qui nous salue et qui salue Bertrand Badré ce soir. Notre ami aussi, Christophe Béchu, ministre de la Transition, qui a envoyé un petit message à Bertrand Badré aussi pour dire qu'il était bien avec nous ce soir et qu'il se réjouissait de cette soirée. Et puis, je fais aussi une mention bien spéciale à tous les fouteux de cette assemblée, parce que je sais que vous êtes à cran, que la soirée va être difficile, mais rassurez-vous, la conférence sera finie pour le début du match pour ceux qui veulent y assister. Voilà, donc pas d'inquiétude. La seule chose qu'on a voulu, c'est vous proposer un verre de l'amitié à la sortie. Donc, si vous voulez voir le match, vous pourrez prendre une coupe de champagne et puis ensuite filer voir le match. Je voudrais remercier au début de cette soirée déjà les 5 partenaires de cette soirée, qui sont les 5 mécènes de la chaire UCO, le groupe Le Lièvre, le groupe Lucas, le groupe Actual, le groupe Saute Rapide, et puis alors nos amis du Crédit Agricole qui sont là présents aussi, qui ne sont pas sur cette chaire mais sur une autre, ils nous font la joie de leur présence, et comme Bertrand Badré est un ancien du Crédit Agricole, ils ont une place toute particulière ce soir, et puis le groupe BMG, qui est parrain de la soirée, mécène de la chaire, et je voudrais, Nicolas, si tu veux bien, venir dire un mot, en quelques mots, nous dire pourquoi tu soutiens ou ton groupe soutient la chaire éthique innovation de l'UCO et en quoi c'est important
pour vous, dans le monde de l'entreprise, que nos étudiants soient formés à l'éthique ? Merci Florent pour ce petit mot d'introduction. Bonsoir à tous. Alors pourquoi cette chaire nous a intéressés et pourquoi est devenue mécène de la chaire éthique innovation ? Je pense qu'aujourd'hui, on a fragmenté la société en mettant les étudiants, les entreprises d'un autre côté, et qu'aujourd'hui, on vit une véritable crise de sens, que ce soit une crise de l'environnement, une crise de sens dans le travail. Cette année, on a enregistré environ 400 000 démissions en France, c'est du jamais vu. Et ma petite conviction, c'est que je pense que les gens partent de leur entreprise parce qu'ils n'y voient plus de sens et de véritables missions qu'ils ont à accomplir leur travail au quotidien. Chez nous, et c'est pour ça qu'on travaille avec la chaire éthique innovation, je pense qu'on peut redonner du sens à notre travail au quotidien dans les entreprises quand on a des notions d'éthique, qu'on n'est pas là uniquement pour l'argent et qu'on veut avoir un véritable impact sociétal au sein de l'entreprise. Et le message que je vais vous faire passer ce soir, c'est que même si vous pensez qu'en tant que jeune travailleur, vous n'aurez pas d'impact en commençant tout en bas de l'échelle, détrompez-vous, parce qu'aujourd'hui, ce problème de la démission et ce problème de l'emploi que les entrepreneurs rencontrent au quotidien, eh bien, c'est vous qui allez influencer les entrepreneurs à prendre de vraies décisions. Demain, nous, entrepreneurs, on est obligés, en tout cas c'est ma ferme conviction, d'avoir du sens, de donner du sens à nos collaborateurs pour remplir leur mission au quotidien. Et si on leur vend uniquement un actionnariat et des bénéfices à court ou moyen terme, ils ne s'engageront plus dans l'entreprise. Donc moi, je vous invite à réfléchir demain à l'emploi que vous allez prendre, à choisir les entreprises qui ont une véritable éthique et qui ont un véritable rôle sociétal. Parce que c'est comme ça que vous allez changer le monde. Tout le monde veut du changement, mais personne ne le pratique au quotidien. Donc il faut changer le monde et chacun peut le faire à sa manière, nous en tant qu'entrepreneurs, mais vous en tant qu'étudiants et futurs jeunes collaborateurs d'une entreprise, en allant vers les entreprises qui font ce choix qui est, je pense, vital pour notre société. On se rend compte que la société est un peu à bout de souffle, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la crise sociale qu'on peut avoir. Donc il faut faire des choix et ces choix-là, c'est vous qui devrez les faire demain et en les faisant, vous allez orienter la société et donc les entrepreneurs à faire des choix sociétaux qui seront l'avenir de notre société de demain. Merci Nicolas. Merci pour ces quelques mots qui vont être très approfondis par le propos qu'on va entendre. Et puis juste pour introduire notre conférence et aller directement à l'essentiel, j'appelle Olivier Bonwayne, le père Olivier, qui est chercheur en éthique à la faculté de théologie et titulaire de la chaire éthique et innovation que certains d'entre vous ont dans un cours dont tu vas peut-être nous parler, parce que j'ai oublié le titre. Je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup Florent, merci à toi. Bonsoir. Donc, de fait, je suis titulaire de la chaire éthique et innovation, où avec une série d'étudiants, nous sommes 240, 200 ici à Angers et 40 à Nantes, qui nous formons à ce difficile équation entre conviction personnelle et éthique, comment prendre des décisions qui soient ajustées dans les différentes circonstances de l'existence. Voilà, alors il m'est demandé de vous présenter ce soir celui que nous accueillons, Bertrand Badré. Soyez le bienvenu, monsieur, ici, à l'UCO. Vous avez été présenté récemment par Le Figaro comme un prédicateur de la finance responsable. Alors, aujourd'hui, vous êtes, depuis 2016, vous avez lancé un fonds intitulé « Blue like an orange », en référence au poème de Paul Éluard, je pense, et vous allez certainement nous en entretenir, et aussi du sens de ce nom qui dit beaucoup. Un fonds d'investissement à impact qui investit dans des marchés et dans entreprises émergents, mais qui ont un impact réel. Avant, vous avez vous-même aussi écrit « Je me suis trouvé là où ça se passait, avec l'impression d'avoir été aux premières loges de grands moments de l'histoire contemporain, sans le planifier. » En effet, vous avez été à Bercy au moment du passage à l'euro. Vous avez été à Londres pendant la bulle Internet, à New York au moment des tragiques attentats du World Trade Center, au conseil d'administration d'Eurotunnel lors de la restructuration du projet, à celui
diplomatique de l'Élysée pendant la guerre en Irak, au G8 sur les questions africaines pour représenter la France, à la Société Générale à Paris pendant la crise financière, puis encore récemment à Washington comme numéro 2 de la Banque mondiale en sortie de cette crise financière, institution que vous représentez au G7 et au G20, au Peterson Institute, prestigieux think tank américain sur la finance, et encore d'autres choses, mais il faut que la conférence commence. Alors, vous avez été formé successivement à HEC, Sciences Po et à l'ENA, donc le système financier et politique, vous le connaissez, et administratif, vous le connaissez de l'intérieur. Vous avez été haut fonctionnaire à l'Inspection Générale des Finances, l'IGF, avec un passage à la direction de plusieurs grandes banques comme Lazard, Crédit Agricole, Société Générale, ce qui fait de vous un observateur assez fin du système financier global. Ce midi, quand nous mangeions ensemble, on était impressionnés de voir que pour vous, le monde était un village. Et puis, vous avez effectué un virage en engagement à la Banque mondiale, une institution qui accorde des prêts à des pays en développement en se donnant comme objectif de mettre fin à l'extrême pauvreté. Vous êtes aussi un chrétien engagé avec une volonté de travailler pour le bien commun. Mais qu'est-ce que ça signifie, nous disiez-vous, le bien commun pour des Chinois, par exemple? Comment est-ce qu'ils appréhendent ce genre de notions complexes? Et puis, le sommet, vous êtes passionné de montagne. Avec vous, nous allons nous laisser entraîner vers les différentes vallées que vous allez nous faire visiter de la finance et de la responsabilité éthique. Je vous remercie de tout cœur. Écoutez, c'est bon ? Ça marche ? Oui ? Un grand merci pour ces propos introductifs trop bienveillants, mais c'est toujours agréable à prendre. Par ces temps parfois un peu violents, c'est bon d'entendre des mots comme ça. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis très très heureux d'être ici pour tout un tas de raisons. D'abord pour engager avec une population étudiante à un moment où elle se pose un certain nombre de questions sur le futur de la planète, mais aussi sur son futur individuel. Donc là aussi, n'hésitez pas pendant et après à me solliciter. J'aime beaucoup, quand j'avais votre âge, j'embêtais beaucoup les vieux, donc n'hésitez pas à m'embêter. Très content aussi parce que j'ai enfin pu m'arrêter à Angers sérieusement en allant visiter la tapisserie cet après-midi. Merci Florent, parce que je suis venu souvent à Angers, mais je ne suis jamais allé voir la tapisserie. Donc rien que pour ça, c'était aussi très bien. Et pourquoi je suis venu souvent à Angers ? J'ai toujours des moments un peu compliqués. J'étais venu il y a un peu plus d'un an parce que j'ai des responsabilités dans le groupe Ouest France et on faisait une première réunion avec l'ensemble des acteurs du groupe, donc notamment le Courrier de l'Ouest à Angers, Presse Océan, Le Maine Libre et aussi Ouest France. Donc, je rencontrais les équipes de la rédaction et les équipes administratives, donc c'était intéressant, mais c'était aussi un moment compliqué qui était le début de la guerre en Ukraine. Donc là, il y a beaucoup de questions sur ces sujets-là. J'étais venu il y a plus longtemps et je dis merci à nos amis du Crédit Agricole. J'avais été invité par la Caisse Anjou-Maine à la fois rencontrer les gens de la Caisse, mais aussi les sociétaires, enfin une réunion publique comme le Crédit Agricole aime bien faire ça. Et là, c'était en pleine crise financière. Donc là aussi, c'était un moment pas simple. Donc peut-être que ce soir est le moment le plus pacifique pour parler à Angers. Donc finalement, la douceur angevine m'a rattrapé. Et donc je suis heureux qu'on appuie sur le bouton pause pour voir un peu comment est-ce qu'on peut regarder la finance, son passé, son présent et j'espère son futur, dans un monde qui est en crise. Alors crise avec un grand C et crise avec un petit S à la fin, parce que c'est un monde où les vents soufflent un peu dans tous les sens, où les éléments se déchaînent. Et d'essayer de se poser la question de savoir si on peut ensemble, grâce aux enseignements que vous avez, grâce à ce que je pourrais partager ce soir, trouver le bon compas ou la bonne boussole dans la tempête. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle de multicrise, on parle de polycrise, on parle de crise de toute nature.
Vous les connaissez, c'était la crise sanitaire qui n'est pas encore complètement finie, la crise économique évidemment dans laquelle vers laquelle on se dirige. Les dernières prévisions montrent que la récession est de plus en plus probable en Europe, si ce n'est à l'échelle planétaire. La crise sociale, évidemment. La crise politique, avec des tensions dans un certain nombre de démocraties et des tensions entre démocratie et autocratie. La crise géopolitique, avec la guerre en Ukraine et puis quelques autres conflits dont on parle moins. Évidemment, comme sous-produit de cette crise géopolitique, une crise énergétique et une crise alimentaire. Et puis toute une série de questions sur le changement ou pas de notre modèle économique et financier. Le retour de l'inflation, évidemment pour les plus jeunes, ça dit rien, parce que vous avez vécu sans inflation jusqu'à aujourd'hui, et brusquement l'inflation revient. Pour les plus âgés comme moi, ben, l'inflation, c'était un souvenir. Je me souviens effectivement, dans les années 70, j'étais jeune, mais on parlait d'inflation à 15% à l'époque, et on pensait que c'était terminé, et ça revient. La hausse des taux d'intérêt, là aussi, on trouvait que passer de... Les banquiers le savent, on disait, ben, j'ai emprunté à 1% sur 20 ans pour payer mon logement, ça paraissait normal, ça je pense que ça va... vite repartir dans les oubliettes de l'histoire. Donc là aussi, il faut qu'on s'habitue à ces changements. De même, le rôle des banques centrales, qui avait quand même très largement facilité le déversement d'argent sur les économies depuis quelques années. On se rend compte que tourner le robinet dans le sens de l'ouverture, c'est assez simple, mais le tourner dans le sens de la fermeture, c'est terriblement compliqué. Et on voit bien tous les effets de bord que ça entraîne aujourd'hui. On voit aussi qu'il y a des gros problèmes de coordination internationale. On l'a vu à la COP en Égypte sur le climat, qui est un verre à moitié vide ou à moitié plein, on pourra en reparler tout à l'heure. On le voit au G20, on le voit un peu partout, où effectivement, la gouvernance mondiale, au mieux, balbutie, et au pire, est en déshérence. Et donc, on se retrouve dans un système d'inquiétude, un système où, effectivement, on pose beaucoup de questions qui rappelle un peu ce que disait Warren Buffett. Alors si vous ne voulez pas qui est Warren Buffett, c'est une des personnes les plus riches du monde, qui doit avoir un peu plus de 90 ans aujourd'hui, qui est considéré comme un des plus grands investisseurs, et qui avait eu cette phrase en 2008, au moment de la crise financière précédente, c'est quand la marée baisse qu'on voit qui se baigne en maillot. Et effectivement, là, on est en train dans une phase de grande marée baissière, et donc, on va voir si oui ou non, nous sommes dans un camp de naturistes, ou si les gens avaient encore un maillot. Donc, tout ça pour dire qu'on ne sait pas très bien ce que la marée ou la baisse de la marée va révéler. On a eu l'affaire des cryptos la semaine dernière. Il y a eu des tensions sur les fonds de pension anglais. Enfin, on va avoir des choses auxquelles on ne pensait pas parce que c'était sous l'eau et que c'était noyé dans un océan d'argent. Maintenant que ça se retire, on risque d'avoir quelques mauvaises surprises. Et puis, au milieu de tout ça, il y a quelque chose qui ne facilite pas le raisonnement. C'est une phase de repli sur soi. De plus en plus, les gens pensent d'abord à leur village avant leur région, à leur région avant leur pays, à leur pays avant, avant la planète. C'était America First, le programme de Trump. J'habitais à Washington à ce moment-là, il y a 6 ans. Mais on l'a à peu près sous toutes ses formes, un peu partout sur la planète. Une forme de repli de l'horizon. On a du mal à s'intéresser au reste du monde. On trouve qu'il y a déjà suffisamment de problèmes chez soi pour ne pas en plus prendre en charge les problèmes de la planète. Qui est en fait une mauvaise lecture de Voltaire. Vous avez peut-être lu au lycée Candide. À la fin, Candide, après avoir fait le tour du monde, arrive fatigué, édenté, épuisé, avec la vieille Cunégonde, enfin, qui a l'air vieille, qui n'est pas si vieille, et il dit « il faut cultiver notre jardin ». Et bien, malheureusement, je pense qu'on a une lecture très littérale. On dit « je vais cultiver mon jardin, donc je vais commencer par mettre une barrière autour de mon jardin, je vais mettre des arbres, je vais me replier chez moi, je vais cultiver mon jardin, et je ne vais pas m'occuper du reste du monde ». Et je crois que c'est une erreur. Je pense que Voltaire, quand il disait « il faut cultiver notre jardin », pensait « il faut cultiver notre planète ». Et c'est là qu'il faut faire. On a eu les tensions en France entre la fin du mois et la fin du monde. Je pense qu'il faut aussi gérer les tensions entre le jardin et la planète. Il ne faut pas ignorer le jardin, mais il ne faut pas non plus ignorer la planète. Donc tout ça pour vous dire qu'on est dans une phase pas très simple. Je n'ai pas une boule de cristal. Je n'ai pas de réponse à toutes les questions que cette introduction pourrait vous faire vous poser. Mais j'ai essayé de partager quelques réflexions qui sont inspirées par un parcours professionnel que vous avez gentiment rappelé, qui ont fait qu'effectivement, j'ai été le témoin involontaire, mais voilà, j'ai été le témoin d'un certain nombre d'événements qui expliquent pourquoi on en est là aujourd'hui. Et j'ai essayé de prendre des notes et de réfléchir à ce que ça voulait dire. Donc j'ai écrit quelques livres au fur et à mesure de mes pérégrinations. Un livre il y a 4 ans qui s'appelait « Can Finance Save the World ?» C'est un peu le titre de la conférence de ce soir. « Est-ce que la finance peut sauver le monde ?» Alors, c'était très provocateur. Je pense que même si on faisait un sondage dans cette salle en demandant « Est-ce que vous pensez que la finance peut sauver le monde ?» Je
Je pense que 90% des gens diraient certainement pas. La plupart des gens diraient si déjà la finance pouvait arrêter de ruiner la planète, ce serait bien. Alors sauver le monde, faut pas trop en demander. Voilà. Mais c'était essentiellement pour rappeler que la finance est un outil et que comme tous les outils, il se contrôle. Et donc voilà, que peut-on faire de cet outil puissant ? Certainement pas le laisser guider nos vies, mais reprendre le contrôle. Donc voilà un peu ce que je voulais partager, ce que je voulais partager avec vous de mon expérience professionnelle, de ce à quoi on fait face aujourd'hui, en reprenant d'une certaine manière une approche un peu scolaire, si vous m'autorisez, ou un peu chronologique, et c'est de voir d'où nous venons, qu'est-ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui à nous poser ces questions, quelle est l'histoire derrière ces modèles qui sont remis en question, voir ensuite d'une certaine manière, où nous en sommes, là, le 22 novembre 2022. Alors, évidemment, on se souviendra plus aujourd'hui du match France-Australie que de ma conférence à l'UCO. Enfin, c'est important de se poser et de se dire où est-ce que nous en sommes. Et puis, j'essaierai de partager avec vous quelques pistes pour la suite. Je n'ai pas de réponse, mais je vais essayer de partager quelques principes, peut-être, qui vous accompagneront dans votre vie, dans les hésitations, les virages que vous pourrez à tel ou tel moment de votre carrière faire. Alors, un peu d'histoire, d'abord. Un peu d'histoire. Là aussi, on peut faire remonter aussi loin qu'on veut. Si on prend à peu près un siècle, fin de la Première Guerre mondiale, entre la fin de la Première Guerre mondiale et la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a la pire séquence qu'on puisse imaginer. On a une paix qui est ratée, on a une crise mondiale universelle, la montée des fascismes, une guerre mondiale, des victimes partout... voilà. On ne peut pas imaginer pire séquence dans le bon fonctionnement de la planète. Instruit par ces 25 années désastreuses, alors j'allais dire les Occidentaux, parce que l'Union soviétique participe au début puis après s'écarte, on rouvre une forme de mondialisation après la Première Guerre mondiale. C'est 1944, 1946, 47, où finalement on met en place tous les outils que vous connaissez aujourd'hui. Alors, ce sont évidemment les institutions de Bretton Woods, juillet 1944, création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, en juin 1945, création des Nations unies, en 1947, création du GATT, qui va devenir l'Organisation mondiale du commerce en 1993. Enfin, voilà, je vais pas faire liste de toutes ces institutions. Un peu plus loin, d'ailleurs, la Communauté européenne et Communauté économique du charbon et de l'acier, Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis Communauté économique européenne, puis Union européenne. Enfin, on voit bien qu'on rouvre tout un système très, très organisé sous tutelle américaine. Il faut le rappeler. Un système qui reposait sur la primauté du dollar et sur à la fois les forces armées américaines et la primauté économique américaine. Mais c'est aussi un système qui a connu la bombe atomique, c'est le seul moment où on a fait exploser une bombe atomique, c'est un peu en 1945, et un système qui a une envie de paix après 25 ans épouvantable. Donc on a une espèce de... C'est le début des Trente Glorieuses, en fait, 1944, 45, 46, qui nous amène, tout ça fonctionne assez bien, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Et ça ne fonctionne plus, ça se dérègle une trentaine d'années plus tard, entre 1970 et 1973-74. Ça se dérègle parce que le dollar ne fonctionne plus comme monnaie de réserve du système. Le système était organisé, le dollar était convertible en or. Pour 35 dollars, vous aviez une once d'or, et à tout moment, vous pouviez aller au Trésor américain et échanger 35 dollars contre une once d'or. C'est ce qu'a d'ailleurs fait le général de Gaulle, qui dit « moi, je n'ai pas confiance, donc je vais demander de l'or en échange de mes dollars ». Et donc, à un moment donné, le stock d'or américain s'épuise, surtout qu'avec la guerre du Vietnam, il y a beaucoup de dollars qui sortent. Donc le système se fragilise, et on a au tournant des années 70 un certain nombre d'événements qui précipitent la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est à ce moment-là que les débats d'aujourd'hui prennent racine. Alors, je ne les prends pas tout à fait dans l'ordre. 1971, le 15 août 1971, le président Richard Nixon, président des États-Unis, prend tout le monde de court et annonce à la télévision au milieu de l'été « j'arrête la suspension du dollar en or ». Décision temporaire. Ça fait 51 ans que le temporaire dure. Alors ça a deux conséquences. La première, c'est qu'on sort d'un système organisé, c'est-à-dire que l'or ne vaut plus 35 dollars l'once, c'est entre 1500 et 2000, je ne sais plus combien c'est aujourd'hui, enfin, on a changé de système. Donc on n'a plus un système organisé. On a un système qui est, en gros, qui dépend des relations entre pays.
Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan des idées, c'est un système qui bascule d'un système organique à un système de marché. C'est-à-dire qu'à partir de 1971, le marché devient le lieu où se fixent les valeurs. Et on est totalement imprégné de ça. Aujourd'hui, tout le monde comprend bien que le dollar... Alors aujourd'hui, c'est facile, un dollar égale un euro égale un franc suisse. Donc c'est, voilà, c'est assez rare, donc on peut faire pause à ce moment-là. Mais la réalité, c'est que demain, ça peut valoir 1,20 ou 0,80 et qu'on est habitué à ça. On est habitué à ce que le marché ait raison. Même s'il n'a pas tous les jours raison, le marché est le lieu où se fixent les valeurs. Donc ça, c'est un point très important parce qu'on est toujours dans ce système aujourd'hui. Quelques mois plus tôt, le 13 septembre 1970, l'économiste Milton Friedman, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose au plus jeune, si on en parle encore, Milton Friedman, qui a été prix Nobel d'économie, fait un article dans le New York Times, très cinglant, pour répondre à la question suivante. General Motors, qui est toujours une grande entreprise américaine, mais qui à l'époque était la première entreprise du monde, se pose la question de savoir si elle doit ouvrir son conseil d'administration à des représentants de ce qu'on appelait à l'époque le public interest, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui les parties prenantes, la société civile, peu importe. En tout cas, d'ouvrir son conseil d'administration à d'autres choses que les actionnaires. Et Milton Friedman fait un article extrêmement raide dans lequel il dit « c'est hors de question ». Si vous faites ça, ce serait du socialisme chimiquement pur. Et en 1970, socialisme aux États-Unis, c'était un très gros mot, donc c'est très mal. Et dit non, l'objet social de l'entreprise, c'est d'accroître ses profits. Tout le reste, ce n'est pas le problème de l'entreprise. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de public interest. Le public interest, c'est la société civile, c'est les collectivités locales, c'est l'État. Mais l'entreprise ne se préoccupe pas d'environnement et de bien-être social. Son job, c'est de maximiser le profit. Et donc, vous voyez, entre 70 et 71, on bascule dans un monde de marché où le profit devient une fin en soi. Et ça, c'est un pivot extrêmement important. Tout ça dans un environnement où, effectivement, on bascule dans un monde, je l'ai dit, où l'or n'est plus la référence, dans le monde de ce qu'on appelle la fiat monnaie, la monnaie de l'argent de confiance. Aujourd'hui, vous utilisez des euros parce que vous pensez que la BCE garantit la valeur de ces euros. Vous avez confiance dans la BCE. En fait, vous ne savez pas très bien ce qu'il y a derrière. Et depuis, on a multiplié par 10, 100, 1000, on est passé des millions aux milliards, aux trillions, aux quadrillions, enfin on en rajoute tout le temps. On est toujours dans cet univers de fiat monnaie qui permet, entre autres, pour le bien-être d'un certain nombre de banquiers, l'endettement. Enfin, on peut créer de l'argent, il n'y a plus de limite. Et puis derrière ça, effectivement, choc géopolitique, choc pétrolier, stagflation, donc effectivement le mélange d'une stagnation de la croissance économique, même si finalement il n'y avait pas tant de stagnation que ça, c'est quand même des années où on continue à croître, mais beaucoup moins que pendant les 30 glorieuses, et puis crise énergétique, bien sûr, et à l'époque, la Chine s'appelait le Japon, on disait que le Japon venait de dépasser l'Allemagne, allait devenir la première puissance du monde. J'accélère un tout petit peu, pardon, je suis un peu long, mais j'aime bien rappeler ces moments de cristallisation. Le modèle qui se dessine avec Nixon et Friedman prend racine. Je note quand même qu'en 1972, alors là aussi ça rappelle des souvenirs aux plus anciens d'entre vous, le Club de Rome, on a fêté le 50e anniversaire cette année, le Club de Rome publie un rapport préparé par des informaticiens, des économistes du MIT aux États-Unis, qui dit en substance, ça s'appelle les limites de la croissance, on ne peut pas croître indéfiniment dans un monde fini. Donc pour la première fois, alors après on peut débattre de si leur méthode était bonne ou pas, mais enfin en gros ils disent non, voilà, là, il y a un problème physique, on ne peut pas continuer à consommer des ressources comme on le fait aujourd'hui dans un monde qui est fini. Donc vous voyez, en 2-3 ans, on a posé le problème qui est celui qu'on regarde aujourd'hui. Le modèle économique prend une forme politique avec l'élection de Reagan et Thatcher. Ça s'appelle le consensus de Washington, ça s'appelle le modèle néolibéral, ça s'appelle la révolution conservatrice. Ce modèle triomphe dans les années 80, et là aussi on a la bascule autour de 1989-90. Là aussi c'est intéressant parce qu'on a, en 1987, les Nations Unies publient le premier rapport sur ce qui s'appellera le Sustainable Development, le développement durable, 1987. C'est la première fois que le mot apparaît. 1988, on crée le GIEC. Alors à l'époque, on ne sait pas ce que c'était. Une anecdote, quand je travaillais pour Jacques Chirac en 2003, il y avait une visite du GIEC à Paris, et en gros, personne ne voulait aller déjeuner avec eux. Donc j'avais été désigné, et j'étais très content, j'allais déjeuner avec le GIEC. Comme ça, j'avais appris plein de choses sur le climat, mais ça n'intéressait personne en 2003. Donc a fortiori en 88. En 88, création du GIEC, 89,
chute du mur de Berlin, et c'est l'époque de la fin de l'histoire. Moi, j'avais 20 ans à l'époque, et on me dit, j'ai une dissertation sur « c'est la fin de l'histoire ». La démocratie a triomphé, l'économie de marché a triomphé, le modèle friedmanien a triomphé, fermez le banc, fin de l'URSS, et d'ailleurs, on va faire rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, et ils vont devenir comme nous. C'était une manière, puisque le Japon est en train de se cracher, de dire la Chine va arriver, mais on va les contrôler et on va les accompagner. C'était aussi le moment où le modèle européen du marché unique paraissait être le modèle de l'avenir. Tout ça, nouvelle bascule, on accélère une vingtaine d'années. Crise financière en 2007-2008 qui montre les craquements du modèle tel qu'il s'était imposé depuis les années 70. La crise financière 2007-2008 jusqu'à 2012, en gros, qui est la crise dite du subprime, puis la crise de l'euro, enfin tout ça fait un peu système. C'est à la fois une crise de l'innovation. On avait une finance qui crée des produits qui n'avaient plus aucun lien avec l'économie réelle. Là aussi, sans être pénible, quand on crée un CDO au cube, pour aller regarder sur Google ce que c'est qu'un CDO au cube, ça rapportait beaucoup d'argent à ses concepteurs, avant d'en faire perdre beaucoup à ses banques, dont Crédit Agricole, malheureusement, mais pas seulement. Ça servait à rien. Ça servait à rien. Donc beaucoup de produits qui servaient à rien, un système qui tournait à vide. Donc crise de l'innovation, crise de la régulation, et qui n'était pas un accident. Dans le modèle néolibéral, revenez à Nixon, c'est le marché qui sait. Le marché s'autocorrige. Le marché fonctionne tout seul. Le marché corrige ses excès. C'était inclus dans le paquet. Et donc, les dérapages des années 2007-2008, ce n'est pas un accident. Ça devait arriver d'une manière ou d'une autre, malheureusement. C'est une crise, donc, non seulement de l'innovation et de la régulation, c'est aussi une crise de la mondialisation. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez une mondialisation financière et technologique qui est allée extrêmement vite, ouverture des frontières, Internet, enfin, tout ça progresse extrêmement vite. Et de l'autre, vous avez une mondialisation éthique et une mondialisation juridique qui sont allées beaucoup plus lentement. Et donc, on a eu effectivement une tension croissante entre... Effectivement, si c'était possible, eh ben, c'était faisable. Donc, on y allait technologiquement, financièrement. Et puis derrière, on a les questions, ben, est-ce qu'on peut le faire, pas le faire, ben, c'était trop tard, c'était déjà parti. Et on se retrouve avec la faillite de Lehman Brothers en 2008, commentée par le gouverneur de la Banque d'Angleterre de l'époque, Mervyn King, qui rappelle, quand tout va bien, Lehman Brothers est une entreprise mondiale. Le jour où il meurt, le 15 septembre 2008, dans la nuit, les Américains rapatrient absolument tous les actifs de Lehman Brothers sur toute la planète aux États-Unis. Mes copains qui étaient patrons de Lehman Brothers à Londres ou à Paris arrivent le lundi matin, ouvrent la porte, il n'y avait plus rien. Et bien, quand Lehman Brothers va mal, Lehman Brothers n'est plus mondial, mais américain. C'est ça, la mondialisation et ses limites. Et donc, on a cette crise qui se traduit par une massive crise de confiance, dont on n'a pas fini de payer le prix aujourd'hui. Je rappelais, quand j'étais à Angers il y a 15 ans, en 2008, désolé pour les plus jeunes, ça fait vraiment très vieux, mais en 2008, tout l'été avant la faillite de Lehman Brothers, la question en France était de savoir s'il fallait ou non créer le RSA, le Revenu de Solidarité Active. Et le débat était de savoir s'il fallait le faire dans une ou deux régions pour tester ou s'il fallait le faire dans l'ensemble du pays. Donc, est-ce qu'il fallait consacrer 200, 300 millions d'euros ou 700, 800 millions d'euros? Et on parle pendant tout l'été de ce sujet-là. Arrive la faillite de Lehman Brothers. L'État français, comme les autres disent, on va mobiliser 400 milliards d'euros pour soutenir l'économie. Et je me souviens très bien à Angers, mais j'avais eu ça à peu près partout en France. Alors, on met deux mois et on ne trouve pas 500 millions pour les plus pauvres. Et là, en 15 jours, on trouve 400 milliards pour les banques, ce qui est dans l'esprit des gens, les banques, c'est les riches et les puissants. Voilà. Et cette histoire, je l'ai racontée aux États-Unis, c'est exactement la même chose aux États-Unis, la même chose en Allemagne, la même chose partout sur la planète. Il fallait sauver le système financier, parce que ne pas le sauver aurait été dramatique, mais les gens n'ont pas compris ce qui se passait. Ils ont eu le sentiment que quand eux avaient des problèmes, on ne s'en occupait pas, et que quand c'était les banques, les riches, les puissants, évidemment, on s'en occupait. Et donc cette crise de confiance, elle n'est toujours pas résolue. Je pense qu'elle est un des sujets qui a beaucoup marqué pour le Brexit, un des sujets qui a beaucoup marqué pour l'élection de Trump et pour un certain nombre de dérapages politiques depuis cette période. Alors, on n'est pas resté les bras ballants après cette crise. Qu'a-t-on fait ? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas mort. On est là, on peut en parler aujourd'hui, on peut toujours retirer de l'argent avec sa carte bancaire, on peut continuer à payer. Enfin, en gros, on n'est pas en 1939, j'espère.
Mais on n'a pas traité les causes de la crise. On a fait du colmatage, on a durci les ratios des banques, on a renforcé les politiques des risques, enfin on a fait tout ce qu'il fallait faire. En gros, on a gardé le système d'avant en mettant plus de coussins, plus de surveillance, plus de capteurs, mais on n'a pas touché au cœur de ce système. Donc on a colmaté, mais on n'a pas fait le grand carénage de la finance mondiale. Alors il y a eu un petit miracle quand même en 2015. En 2015, on s'est mis d'accord avec trois conférences sur une feuille de route pour la planète. Alors ça vous a peut-être échappé, mais il s'est quand même passé quelque chose en 2015. Alors en France, on se souvient des accords de Paris, la COP21 sur le climat. Ça, c'est décembre. En septembre, on s'est mis d'accord à New York sur les objectifs de développement durable. C'est le PINS que j'ai ici, les Sustainable Development Goals en anglais. Donc, les 17 objectifs, comme éradiquer la pauvreté, l'accès à l'eau, à la santé, enfin toute une série d'objectifs tout à fait bienvenus. Et puis alors, un peu moins connu encore, en juillet, en Éthiopie, à Addis Abeba, on s'était mis d'accord pour un nouveau partenariat pour le développement. Alors ça disait quoi, ces trois conférences, à part les belles photos et les documents signés? Ça disait que l'humanité se mettait d'accord, toute l'humanité, puisque tous les gouvernements ont signé. Les États-Unis sont sortis puis revenus, donc aujourd'hui, tout le monde a signé. Il n'y a personne qui ne soit pas normalement engagé par ces documents. Tout le monde a signé pour que l'économie mondiale du 21e siècle soit une économie qui soit résiliente, c'est-à-dire qui puisse faire face aux chocs, Dieu sait si on en a eu quelques-uns ces derniers temps, qui soit inclusive, c'est-à-dire qui ne laisse personne sur le bord du chemin, et qui soit durable, c'est-à-dire qu'elle nous permette, génération après génération, de faire un certain nombre de choix, sans empêcher la génération suivante de faire, elle aussi, ses choix. Donc on s'est mis d'accord sur cette feuille de route. On ne va pas réinventer la roue, cette feuille de route, elle est là. Avec quelques faiblesses. La première que j'avais pointée à l'époque, j'étais dans mon rôle, parce que j'étais un des financiers des débats de l'époque, c'est que c'est sympa de dire qu'on veut éradiquer la pauvreté, c'est sympa de dire qu'on veut que tout le monde ait accès à la santé, à l'eau, c'est plus compliqué de dire combien ça coûte et qui paye. Enfin, peut-être qu'il ne fallait pas trop le dire pour que tout le monde se mette d'accord sur les objectifs. Donc on a finalement fait le pari implicite que la main invisible allait faire le travail. D'une certaine manière, on posait les objectifs. Et puis, comme les objectifs étaient très attractifs, eh bien, tout le monde, les pionniers allaient y arriver, puis les gens ayant envie de faire pareil. Et c'est un peu la logique des accords sur le climat. C'est qu'il y a une logique de... On pensait à l'époque qu'il y aurait des bons élèves et que tout le monde aurait envie d'imiter les bons élèves. Et vous bien que ce n'est pas du tout ce qui se passe, malheureusement. Et donc, la main invisible ne marche pas très bien. Donc, on a mis en place un système qui est assez bancal et assez fragile. Mais on y a cru. Et notamment quand... Barack Obama et Xi Jinping se serrent la main à l'automne 2015 en disant « bah oui, cette feuille de route, c'est la nôtre, on va le faire ensemble ». Comme beaucoup, j'ai eu la faiblesse de croire que c'était le début d'une nouvelle époque. D'une certaine manière, c'était le début de l'après-Friedman, c'était le début de l'après-consensus de Washington. Et en fait, c'était une erreur. En fait, ce n'était pas le début de l'après, c'était la fin de l'histoire. D'une certaine manière, cette poignée de main, ça a scellé... Il y a trentaine d'années qui s'est écoulée entre 1989 et 2015, puisque six mois plus tard, c'était le Brexit, un an plus tard, c'était Trump, et depuis, on n'a pas cessé de déconsolider le système. Donc on voit bien, encore une fois, avec ces rappels historiques, ces moments importants, qu'il s'est passé des choses dans le système, qu'on n'a pas toujours été dans le système qu'on connaît aujourd'hui, qu'il y a des craquements, des remises en cause, qu'on a mis sur la table une feuille de route, qu'on n'a pas été extrêmement fidèle à cette feuille de route, et qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est mon deuxième point, où en sommes-nous? On sort de... on sort du Covid, on passe directement du Covid à la guerre en Europe, et en même temps, on l'a vu avec les grandes discussions de cette semaine, à la COP en particulier, qu'on n'a pas véritablement été à la hauteur des engagements de 2015. Il n'y a pas vraiment de changement véritable. On avait dit en 2015, il faut commencer la transition. Alors, j'aimais pas à l'époque le mot transition, j'aime toujours pas le mot transition. Pourquoi? Parce que quand on parle de transition, on a l'impression qu'on est sur la plage et qu'on va transiter d'un bout de la plage à l'autre. Et on nous a dit, et peut-être encore une fois c'était ce qu'il fallait faire, que c'était un effort de 1 ou 2 % par an. On va baisser de 1 ou 2 % nos émissions de carbone. On va réallouer chaque année 1 à 2 % de notre épargne. Et donc, on va faire ça pendant 30 ans et à la fin, même pas mal. On aura fait 30 ans 1 ou 2 % et on aura fait tout le travail. La réalité, c'est qu'on n'a pas commencé ce travail, on a même plutôt décalé. Donc, il faut qu'on fasse plus d'efforts, parce qu'on est encore plus mal qu'on était à l'époque, même si on a un peu fait de progrès, on a changé la dérivée, mais pas la trajectoire. Et donc, on se retrouve aujourd'hui en se disant, ce n'est pas une transition, en fait, c'est une vraie transformation.
On a continué à faire comme avant, on a continué à faire semblant, et on n'a pas touché, pour parler informatique, l'operating system. On n'a pas touché le cœur de notre modèle. Et tout ça sous fond de tensions sociales croissantes, ce qui ne facilite pas l'équation. On l'a vu en France avec les gilets jaunes en particulier, mais là aussi, il n'y a pas qu'en France que des choses comme ça se passent. Là aussi, pardonnez-moi, je vais partager une autre citation littéraire qui vous rappellera peut-être vos années lycées. Alors, les plus jeunes, vous aurez peut-être ça à l'esprit, les plus âgés, ça remontera plus loin. Marguerite Yourcenar, dans les mémoires d'Adrien. Donc, les mémoires d'Adrien, Marguerite Yourcenar, dans les années 50, se met dans la peau d'Adrien, empereur romain du IIe siècle, qui était un des grands empereurs romains, et qui médite sur la chute de Rome et sur l'exercice du pouvoir. Et donc Adrien réfléchit et dit « Je sais que la chute de Rome va arriver. Comment puis-je la retarder? Comment puis-je retarder ce moment où les barbares au dehors et les esclaves au dedans se rueront sur un monde qu'on leur demande de respecter de loin ou de servir d'en bas ?» Eh bien, vous remplacez Rome par Occident, vous remplacez Rome par Europe, vous remplacez esclaves et barbares par ce que vous voulez, et vous voyez bien qu'on est exactement dans la problématique sociale d'aujourd'hui. Les tensions internes au pays entre les élites et puis effectivement les gens qui n'appartiennent pas à l'élite et qui souffrent, les esclaves dans le vocabulaire de Marguerite Yourcenar et d'Adrien, et les barbares, c'est les gens qui sont dans les pays, on a beaucoup parlé d'Afrique cette semaine, qui ne font pas partie des discussions qu'on a aujourd'hui ce soir. Donc on voit bien qu'on a pris des engagements, on n'a pas été à la hauteur, le contexte est plus difficile, on a le même operating system, on se rend compte que les tensions sont là, les failles que j'ai relevées n'ont pas été traitées, donc on a mis des coussins, on a mis des buffers, des airbags, si vous voulez, les failles n'ont pas été traitées, on est plutôt plus égoïste qu'il y a 7 ans, rappelez-vous les débuts du Covid, les tensions sur les vaccins, les tensions sur les masques, où les gens allaient arracher les masques, c'était horrible. On est tous très généreux jusqu'au jour où on ne l'est plus. La Banque mondiale et les Nations unies ont dit au début du Covid qu'il faut mobiliser 2 à 3 000 milliards de dollars pour les pays les plus pauvres. Le G20 se réunit et sort 14 milliards de dollars de suspension temporaire de paiement des intérêts de la dette pour les plus pauvres. 2 000 milliards, 14 milliards. Fantastique manifestation de la solidarité mondiale. Donc croissance des égoïsmes. Un Occident qui se retrouve plus soudé face à la Russie, effectivement, après les tensions, alors France-Australie ce soir, ça rappellera les tensions de France-Australie l'année dernière, mais voilà, maintenant on est tous unis face à la Russie, donc on est plus proches entre nous, mais on a beaucoup moins d'amis. Regardez les votes aux Nations Unies sur le conflit en Ukraine, regardez sur la Commission des droits de l'homme, que des pays comme le Sénégal, le Maroc, le Mexique, le Gabon, etc. s'abstiennent ou votent contre, ça c'est un changement. Donc on voit bien un Occident qui est un peu... dans une situation problématique, et parfois pour des bonnes raisons. Ça fait 5 ans qu'on explique à l'Afrique que c'est pas très bien d'aller chercher du gaz naturel parce que c'est des énergies fossiles et que ça pollue. Maintenant qu'on a un petit souci de gaz naturel, on va tous faire la queue pour qu'ils en trouvent plus. Mettez-vous à la place des gens en face. Voilà, c'est pas très simple. Tout ça avec une accélération d'un certain nombre de tendances qui préexistaient au Covid, la digitalisation et numérisation de nos économies, la croissance des inégalités, je l'ai dit, croissance des incompréhensions, où chacun, se repliant sur son pré carré, n'écoute pas ce que fait l'autre et ne se met pas à sa place. Et on arrive à une synthèse, autre référence littéraire, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, qui, quand tout le monde enfermé dans son appartement, réfléchissait au monde d'après, rappelez-vous, là, printemps 2020, le monde d'après, le monde d'après, le monde d'après. Il avait dit, c'est une formule qui n'appartient qu'à lui, « Ne vous précipitez pas sur le monde d'après, ce sera le monde d'avant en pire. » Bon, voilà, le tableau est posé. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a un tableau de bord qui n'est pas extrêmement facile, qu'il y a de plus en plus d'indicateurs, de plus en plus de sujets de tension. Les sujets géopolitiques, évidemment, on a parlé de l'Ukraine, le poids croissant de l'Asie dans les échanges internationaux. Si vous avez suivi un peu la réunion du G20 en Indonésie, c'est très intéressant. Le G20 était présidé par l'Indonésie cette année, sera présidé par l'Inde l'année prochaine. Le message très explicite de l'Inde et l'Indonésie était de dire aux Occidentaux, vous voyez, vous n'y arrivez pas, vous antagonisez la planète. Maintenant, c'est la méthode asiatique où bah, y a du yin et il y a du yang. On n'est pas d'accord sur tout et on avance. On prend le relais. Merci les gars. À nous de jouer. C'est ça qui s'est passé. Pas très agréable hein, quand on habite en France de s'entendre dire ça. On a l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus du centre du monde. C'est aussi l'an dernier que l'économie chinoise a dépassé l'économie européenne en taille.
On voit bien que les tensions sur l'idée qu'il faut relocaliser, rapatrier, qu'on revient de plus en plus local, alors qu'avant le sujet c'était il fallait être mondial, il fallait atteindre tout. Comment est-ce qu'on fait le lien entre le global et le local? Est-ce qu'on remet des frontières? Est-ce qu'on va avoir plusieurs plaques Internet, plusieurs plaques de commerce, etc. Les technologies, évidemment, les tensions sur à la fois ce que ça permet et puis les inquiétudes qui vont derrière, les questions des entreprises sur leurs modèles économiques, et puis, vous l'avez dit, un peu partout sur la planète, avec des réponses différentes, la question du sens, du purpose en anglais. Au fond, pourquoi est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce que je fais dans cette boîte? Comme je dis souvent, un des facteurs d'évolution les plus importants des entreprises aujourd'hui, c'est le déjeuner ou le dîner familial du dimanche, où les enfants disent aux parents « Papa, maman, ta boîte, c'est vraiment de la merde. » Alors vraiment, j'ai encore vu ça, donc fais quelque chose, parce que sinon, moi, j'ai honte. Voilà. Alors le lendemain, au comité exécutif, on dit « Je me suis encore fait insulter par mes enfants, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Donc on a toute cette question du sens, elle est à tous les niveaux. Il n'y a pas que vous qui vous posez des questions, tout le monde se pose des questions. Donc face à ce tableau de bord qui est un peu anxiogène, où est-ce qu'on en est? Eh bien, le modèle financier n'a pas changé, le modèle de Friedman est toujours là. C'est toujours comme ça que sont pilotées les entreprises. Moi, j'étais directeur financier très longtemps. Je dis souvent, quand vous avez vos comptes trimestriels, pendant 2 mois et 29 jours, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais le 30e jour du 3e mois, les normes IFRS, les normes comptables, vous ramènent à la dure réalité. C'est comme ça. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, c'est comme ça. Le modèle risque-rendement posé par l'Université de Chicago dans les années 50 reste toujours le socle de la finance telle qu'elle est enseignée, j'imagine ici aussi, un peu partout sur la planète. Les institutions de Bretton Woods, elles sont toujours là. Alors, ça fonctionne un peu moins bien. Donc en fait, on voit bien qu'on a gardé l'operating system d'avant. On est conscient de ses limites. On voit bien que ça ne marche pas bien, que ça a été très tendu pendant le Covid, que c'est très tendu pendant la guerre. Mais on n'a pas changé fondamentalement de modèle. On reste sur un modèle qui se concentre sur ce qu'était le capital rare il y a 50 ans, qui était l'argent. Il y a 50 ans, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et pour cause, tout était concentré sur le stock d'or. Et comme le stock d'or était limité, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Le jour où on fait sauter la contrainte de l'or, comme je l'ai dit, on change de système. Et donc, on passe d'un système où, en fait, l'argent n'est plus le capital rare. Et pourtant, tout notre système est centré sur cette importance du capital financier. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le capital rare? C'est le capital environnemental, c'est le capital social, c'est le capital humain. Et celui-là, il n'a pas de valeur. Alors, il a une valeur émotionnelle, tout ce que vous voulez, mais il ne rentre pas dans notre système. Donc la question à laquelle on est confronté aujourd'hui, si on veut que la finance fasse quelque chose avec la planète, c'est qu'il faut toucher à cet operating system. Le système actuel, comme je l'ai dit, ne nous empêche pas de faire des choses bien. Il est neutre. Il ne vous récompense pas si vous faites des choses pour le bien commun, et il ne vous punit pas si vous faites des choses contre le bien commun. Mais encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Malheureusement, il ne vous pousse pas nécessairement dans la bonne direction. Donc comment est-ce qu'on peut changer l'operating system de notre système financier tout en travaillant à l'operating system de la planète? Comment est-ce qu'on peut repositionner tout ça? Et malheureusement, ce sont des exercices qui prennent du temps, qui ne sont pas drôles. Ça veut dire qu'il faut, s'agissant de la finance, ouvrir le capot, prendre notre boîte à outils et travailler sur nos normes comptables, nos modes de rémunération, les obligations fiduciaires. Les obligations fiduciaires, c'est quand vous confiez votre argent à quelqu'un, ce quelqu'un, il a des règles, ce qu'il a le droit de faire ou pas faire avec votre argent. Les normes prudentielles, qu'est-ce que c'est que le capital d'une banque? Enfin, toutes ces petites règles qui font la vie économique au quotidien, toutes ces petites règles, elles doivent être passées au tamis. Si on reste dans un système qui est celui d'aujourd'hui où le profit est une fin en soi, système friedmanien, l'objet social de l'entreprise, c'est de maximiser le profit. Point. Et donc, le système est justifié par un profit qui ne cesse de croître. Comment est-ce qu'on passe à un système, et j'emprunte la formule à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était doyen de la Business School d'Oxford, Colin Meyer, qui dit non, l'objet social de l'entreprise n'est pas de maximiser le profit, l'objet social de l'entreprise doit être de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. Ce n'est pas de dire que le profit, c'est bien ou c'est mal, c'est absurde. On a besoin de profit pour durer, point. Parce que pour aller à une année suivante, vous avez besoin de ressources, c'est comme en agriculture, vous devez garder des graines pour les replanter. C'est aussi simple que ça. Donc on a besoin de profit. Simplement, ce profit, ce n'est pas une fin en soi. Ce profit, c'est un moyen en vue d'une fin. Le profit devient légitime parce que c'est grâce à ça qu'on peut traiter les problèmes de la planète et ses habitants, c'est-à-dire nous. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre planète et on est les habitants de cette planète. Donc comment est-ce qu'on traite ça? Et donc comment est-ce qu'on revisite la question du profit?
Le profit, si je vous demande ce que c'est que le profit, en général, on fait une réponse d'épicerie, on dit le profit, c'est les revenus moins les coûts. Je peux vous dire, j'étais directeur financier d'entreprise, il y a plein de manières de calculer les revenus et plein de manières de calculer les coûts. Donc, il n'y a pas de norme du profit. Le profit, c'est défini à un moment donné de notre histoire, c'est une norme sociale. Donc, on peut travailler une norme sociale. On peut intégrer dans le profit le prix du carbone. On peut intégrer dans le profit le prix de la diversité. Il n'y a rien qui nous empêche. Il faut être tout à fait détendu. On peut questionner tous ces sujets-là. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors, on a commencé un peu à le faire. Et la finance commence à bouger un petit peu. Je vais dire qu'il ne se passe rien, même si le mouvement n'est pas forcément visible. Alors, on a développé ce qu'on appelle, alors je sais pas, j'espère que ça vous parle un peu aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ESG. Alors, c'est trois lettres dont on parle beaucoup. L'ESG, ça veut dire prise en compte des critères environnementaux, le E, des critères sociaux, le S, et des critères de bonne gouvernance, le G. C'est-à-dire, en gros, c'est une définition du bien commun en disant si vous faites attention à l'environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, vous allez faire une bonne économie. Alors, c'est sympathique, ça existe, et c'est plutôt positif. Il ne faut pas raconter l'histoire. Ça veut dire qu'on se pose des questions, qu'on essaie de trouver des réponses, qu'on tâtonne. La réalité, c'est que ça reste extrêmement confus, ça reste extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de critiques. Par exemple, une entreprise comme Orpea était considérée comme une très bonne entreprise ESG. Ah, vous avez vu, c'est pas terrible. Des exemples comme ça, il y en a plein. Vous avez en plus des disputes, notamment aux États-Unis, où... un certain nombre de gens disent « prendre en compte l'environnement, le social, c'est woke, c'est pas bien, c'est ridicule, le vrai capitaliste, c'est le cow-boy avec ses pistolets, donc arrêtez de nous embêter avec des contraintes sur le social et l'environnemental. » Et le Texas dit à BNP Paribas « je ne veux plus travailler avec vous parce que vous êtes trop vert. » Alors je pense que BNP Paribas n'en demandait pas tant. Vous avez The Economist qui fait sa une l'été dernier sur ESG, ces trois lettres ne sauveront pas le monde. Enfin, on voit bien que, à la fois c'est bien parce qu'il y a un débat et on voit bien que ce n'est pas encore la bonne étape. Donc comment est-ce qu'on va plus loin? Alors, aller plus loin, c'est à la fois nécessaire, mais extrêmement difficile. C'est nécessaire parce qu'on voit bien, je reviens à mon idée de transition, on voit bien que cette transition n'est pas suffisante, que c'est bien d'une transformation qu'il s'agit, transformation de nos modes de production, transformation de nos modes de consommation et transformation de nos modes de financement. Ben, c'est très désagréable de transformer, parce que quand on transforme, il y a des gagnants, il y a des perdants, il faut faire attention, ça prend du temps, on renonce à des choses aujourd'hui pour demain peut-être. Enfin, tous ces moments pas très agréables auxquels on est confronté. Donc c'est difficile. Deuxièmement, il n'y a pas de maître du monde. En 1970, les États-Unis étaient maîtres du monde. Milton Friedman disait « c'est comme ça ». Bah, tout le monde disait, bah, ok, alors Mitterrand en 80 dit non, on va faire les choses différemment. Puis en 83, il dit, bah, je me suis trompé, je vais faire comme tout le monde. Et tout le monde se rallie à ce qui s'est appelé le consensus de Washington. Aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. Il y a une vision européenne. La vision européenne, elle est très ancrée sur les normes, sur les règles, la fiscalité, c'est notre tradition. Aux États-Unis, c'est plutôt devant les tribunaux. En Chine, c'est plutôt le comité central du Parti communiste. Donc chacun a son approche et les questions environnementales, sociales et de gouvernance ne sont pas traitées pareilles partout sur la planète. Donc il y a plein de risques, il y a évidemment un risque de fragmentation, c'est-à-dire qu'on ait plusieurs approches, et qui va décider, qui va imposer ces vues. La question de la diversité, elle n'est pas du tout la même en Europe, on est plus focalisé sur les questions de diversité de genre, alors qu'aux États-Unis c'est des questions de diversité ethnique, par exemple, et des exemples, il y en a beaucoup. Il y a un risque de bureaucratie, que ça vient d'un exercice où finalement on vous donne une feuille et puis vous cochez la case, ouais, c'est bon sur le plan environnemental, case 1, c'est pas bon, case 2, c'est bien, etc. Ce qui, en fait, on perd le pourquoi, on remplit des papiers, on ne sait plus pourquoi on le fait, et risque de repli en disant, bah, tout ça est très compliqué, donc moi je fais mes affaires, puis le reste du monde, ça m'est égal. Avec un vrai risque, c'est que, et c'est ça qui m'a animé en créant Blue Like an Orange, c'est que la bataille du climat, la bataille de la nature, la bataille de l'égalité homme-femme, elles ne seront pas gagnées ou perdues à Angers, à Bruxelles ou à Paris, elles seront gagnées ou perdues, encore une fois, à Bogota, à Delhi, à Lagos, un peu partout sur la planète. Et c'est précisément pas là qu'on investit. Et donc, ces gens-là ne font pas partie du débat. On leur dit, arrêtez de faire du gaz naturel, c'est pas bien. Ah ben si, faites-en quand même. Arrêtez de faire ça, c'est pas bien. Faites-en quand même. Le travail des enfants, non, mais là, oui, peut-être. Et on est dans des discussions très, très compliquées, et où, en fait, on dit qu'on est inclusif, et on ne l'est pas du tout. Et le vrai risque de toutes ces discussions, c'est qu'on laisse croire que c'est un sujet technique, alors que c'est un sujet de valeur. J'ai pas du tout envie. Je prends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur la diversité. Vous êtes une entreprise américaine, les agences qui vont évaluer votre diversité, donc le S, le social, vont vous demander, ben voilà, combien est-ce que vous avez de populations African American, Latinos, Asian, etc. Et les entreprises américaines qui font ça dans tous les sens vont remplir des tableaux, etc. Et donc elles vont avoir une bonne ou une mauvaise note en fonction de la diversité de leur personnel.
Vous posez la même question à une entreprise en France, elle n'a pas le droit de répondre à cette question puisque les statistiques cliniques sont interdites. Donc la réponse va être not applicable. Non, je n'ai pas de réponse. Donc vous allez avoir un mauvais point. Cette question est légitime, mais je préfère qu'on en débatte au Parlement plutôt que d'en débattre devant un panel d'experts techniques. Donc je dis, ce n'est pas des questions techniques. Les assurances santé aux États-Unis, l'essentiel de l'assurance santé, elle est privée. Donc on va demander à une entreprise américaine, apportez-vous une couverture santé à vos collaborateurs? Réponse oui, bravo. Vous allez en Grande-Bretagne et vous dites, apportez-vous une couverture santé? On dit non, on a le NHS, la santé publique. Donc c'est une insulte de penser que je vais mettre autre chose à la place. Voilà, alors est-ce que vous avez envie que ça soit décidé par Bloomberg, BlackRock ou Standard & Poor's? Est-ce que vous avez envie que ça soit décidé par le Parlement à Westminster? Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Donc il ne faut pas croire que ces questions-là, elles sont techniques, elles sont pour des experts dans un coin. Ces questions-là, c'est l'économie dans laquelle vous allez grandir. Est-ce que c'est cette économie que vous voulez? Et donc la question auxquelles on est confronté, c'est comment est-ce qu'on prend en compte ces valeurs? Comment est-ce qu'on passe d'une espèce de brouillard où on dit bah, c'est bien de faire de l'environnement, c'est bien de faire du social, à quelque chose qui soit bien ancré dans la durée, où on dit bah, voilà, je vais mesurer les changements que je fais, je sais, je vais pouvoir être capable de les contrôler, de les auditer, de rendre compte. Alors, c'est ce que j'essaye de faire à la modeste échelle avec Blue Icon Orange. On investit en Amérique latine dans des entreprises, dans la santé, l'éducation, etc. Et on dit voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qui se passe, est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on a raté. Et c'est compliqué. Et c'est vraiment cette transformation de la finance sur laquelle beaucoup de questions se posent, beaucoup de gens se positionnent. On a le sentiment, et je dis souvent aux financiers, ne faites pas n'importe quoi parce que vous n'êtes pas sorti de la case prison. La mémoire des 15 années, elle est toujours là. Les banquiers ont dit pendant la crise, non, cette fois, ce n'est pas nous le problème, on a la solution. Ce n'est pas faux. Simplement, si l'idée qu'il y ait une finance durable, une finance verte, une finance à impact, et qu'en fait, les gens se réveillent en disant « mais vous nous avez menti une fois de plus », là, vous allez rétrograder extrêmement brutalement. Donc moi, mon conseil, c'est toujours de dire « n'en faites pas trop dans la communication, faites-en beaucoup dans l'exécution ». Comme on dit en anglais « undersell and overdeliver ». Donc, n'en dites pas trop et faites-en plus. Voilà. Donc pour conclure, on est à un moment qui est assez crucial, avec cinq grands pôles, et je finirai avec quelques principes. Je suis désolé, je n'ai pas regardé l'heure, je suis peut-être un peu long. Premier sujet à garder à l'esprit, c'est que tout ça se passe sur fond d'ordre mondial qui est en train d'évoluer extrêmement brutalement. On passe d'un monde unipolaire, c'était l'hyperpuissance américaine après la chute du mur de Berlin, à un monde multipolaire. Et ça, ce n'est pas confortable, surtout pour nous, hein, la chute de Rome. On passe d'un monde où on avait une vision globale, tout était global, gouvernance globale, etc., Internet global, à un monde qui est régional et fragmenté. On passe d'un monde plutôt civil et modéré, où on discute, à un monde polarisé et violent, où on s'insulte. Là aussi, ce n'est pas très simple. Donc, qu'est-ce que deviennent nos institutions dans tout ça? Comment est-ce qu'on transforme la finance dans un monde qui prend cette direction? Alors que la finance est plutôt mondiale par construction. Deuxièmement, le digital, la technologie, les plateformes. Là, on est passé d'un monde de croissance exponentielle, de pénétration, à une question de saturation, à une question où ce n'est plus des plateformes, mais la technologie transverse, l'Internet des objets, tout est connecté. Ça veut dire quoi avec toutes les questions éthiques qui se posent? Et puis des questions sur qui va contrôler l'intelligence artificielle, qui va contrôler les algorithmes. Là aussi, intersection compliquée avec le géopolitique et avec l'ordre social. Troisième grand pôle de questions, la démographie. On a célébré la naissance du 8 milliardième être humain il y a 10 jours. Donc à la fois, on sait qu'on va continuer à croître. Alors on ne sait pas si on sera à 14 milliards, 10 milliards, 8 milliards en 2100. Enfin, en tout cas, on a mis 40 ans à faire x2 alors qu'il avait fallu beaucoup plus de temps la fois précédente. Simplement, ce monde où on est plus peuplé, il est plus peuplé de gens plus âgés. On était un monde jeune, on va devenir un monde vieillissant. C'est le principal problème de la Chine aujourd'hui. Un monde où on est très nerveux sur les pandémies, mais en réalité, le vrai sujet, c'est les maladies non contagieuses, les non-communicable diseases, comme on dit en anglais. Et c'est un monde d'inégalité, amplifié par la démographie. Inégalité entre les pays et inégalité au sein des pays, avec les tensions sociales qui vont bien. C'est un monde où la gestion des ressources et de l'énergie va être centrale. Un monde où on ne parlait pas du climat et un monde où le climat s'impose. Un monde où on investissait prioritairement dans les énergies fossiles, aujourd'hui on fait 1 pour 1 fossiles renouvelables, il faudrait qu'on soit à 1 pour 7, d'après les prévisions de l'Agence nationale de l'énergie, d'ici 30 ans. Donc là aussi on bascule. Et puis un monde de ressources
Encore une fois, rappelez-vous le club de Rome. Non, dans un monde fini, on ne croit pas de manière infinie. Dans un monde où on gère les ressources en commun, à un monde de compétition, regardez la Chine qui a déjà à peu près raflé tout ce qu'il y avait comme entreprise qui faisait du cobalt au Congo, par exemple. Donc comment est-ce qu'on va trouver les voies et moyens de s'accorder sur ces ressources, de s'accorder sur le climat, de s'accorder sur le renouvelable, quelque chose qui soit acceptable à la fois sur le plan social et sur le plan financier? Comment va-t-on partager ces ressources? Et puis une question sur les modèles de capitalisme. On voit bien aujourd'hui qu'on est un régime de croissance, entre guillemets, plus normal, c'est-à-dire qu'on... Les perspectives de croissance ont abaissé, y compris pour la Chine. La Chine croissait à 10-12% par an. Aujourd'hui, le taux de croissance de la Chine est probablement plus normal de 2-3%. Ça veut dire quoi pour la planète? On passe d'un monde où, avec cette monnaie fiat, on pouvait s'endetter, donc un monde de levier, un monde où on avait plutôt intérêt à s'endetter, à un monde de stress de bilan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des économies qui sont endettées à hauteur de 3 fois ou 4 fois leur PNB, y compris pour la Chine, on voit bien que ce n'est pas tenable, surtout avec des taux d'intérêt plus élevés. Donc comment est-ce qu'on passe d'un monde de crédit facile à un monde où il faut gérer sa capacité financière? Un monde où effectivement le modèle asiatique s'impose, un monde où la question de la productivité, parce que la fin des fins, c'est la productivité qui permet l'accroissement de la richesse, la productivité est en baisse absolument partout sur la planète. Va-t-on savoir remettre en place un modèle qui soit durable si on a moins d'argent, moins de dettes et moins de capacité coopérative? Donc évidemment, j'ai bien conscience de vous laisser plus de questions que de réponses. Je vais quand même finir en partageant avec vous 12 principes qui sont un peu ma boussole. Le premier, je pense que si on veut que la finance et que notre modèle économique sauve le monde, il faut à la fois être très ambitieux. C'est vraiment une transformation dont il s'agit et pas une transition. Et en même temps, il faut être modeste parce que ça prend du temps. Et je sais, je suis français, je suis intervenu un peu partout sur la planète. Alors les Français, on nous voit venir. On dit, ah là là, il faut transformer le monde. Alors ça, les Français, vous êtes très forts. Vous pensez que vous faites la révolution, vous prenez la Bastille, vous abolissez les privilèges, et c'est fini. Et puis après, vous avez Bonaparte. Alors bon, donc les Français, arrêtez avec votre grand soir. Alors d'ailleurs, pour votre information, comment dit-on grand soir en anglais? On dit grand soir. Voilà, donc il faut être ambitieux, mais en même temps, être modeste. Premier principe. Deuxième principe, il faut avoir la lucidité d'avoir une approche systémique. C'est-à-dire qu'on ne va pas sauver la planète en ayant tous une voiture électrique. Ce serait trop simple. C'est compliqué tout ça. La voiture électrique pose des problèmes. Et donc, à chaque fois qu'on tire, on trouve qu'il y a des tas de problèmes qui sont liés. D'où mon idée qu'il vaut mieux penser le système plutôt que de faire des tranches de salami. Donc, avoir cette approche où on voit l'ensemble des difficultés. Troisièmement, ne pas perdre l'idée que ce qu'on a appris de l'économie de marché, c'est l'optimisation. C'est la capacité à gérer des ressources rares sous contrainte. Simplement, on a optimisé à tout prix. Ça, c'est la beauté du tableur Excel. Alors là, en fait, on peut tourner les vis et on fait de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Mais on oublie ce qu'il y a derrière le tableur. Non, il faut optimiser au mieux, pas à tout prix. C'est-à-dire garder l'idée, il faut garder dans le système une capacité à faire face au choc, une capacité à être résilient, ce qu'on avait un peu oublié. Quatrièmement, il faut qu'on redéveloppe la capacité à travailler secteur public et secteur privé ensemble. On en parle beaucoup, on le fait de moins en moins parce que tout le monde suspecte tout le monde. Cinquièmement, utiliser le levier numérique, ne pas en avoir peur, mais non pas non plus en être esclave, pas plus être esclave de la finance que du numérique. Sixièmement, se rappeler que c'est bien la finance qui est au service de l'économie et l'économie au service de l'homme, et pas l'inverse. L'homme n'est pas au service de l'économie et l'économie au service de la finance. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Septièmement, principe de fraternité. Et là, j'avoue que j'étais très touché par les mots du pape avec Fratello Tutti, son encyclique sur tous frères. Il n'y a pas d'autre planète. Alors, on est tous sur le même bateau, même si on n'est pas tous dans la même classe ou sur le même pont. Et donc, on s'en sortira ensemble. On ne va pas faire des catégories, la don't look up, où certains vont essayer de partir dans leur navette d'un côté, certains vont se faire transplanter je ne sais quoi dans leur cerveau pour durer 1000 ans. Non, je pense que là, il faut éviter ça. Huitièmement, se rappeler que la valeur économique, elle va être de plus en plus liée aux valeurs, à l'intégrité de ce qu'on représente. Là aussi, je ne résiste pas à l'idée de partager une anecdote avec vous. En 2008, avant la faillite de Lehman Brothers, on avait organisé à Paris un colloque sur la crise du subprime, donc les débuts de la crise financière. On avait invité Paul Volcker, ça ne dit probablement plus rien aux plus jeunes. Paul Volcker, c'était le président de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale en 1980. C'est lui qui est crédité pour avoir arrêté l'inflation à 40 ans. Donc on en reparle un peu aujourd'hui, parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on va faire comme Volcker?
un grand serviteur de l'État, il faisait 2,5 m en plus, donc vraiment grand. Et les gens dans la salle lui disent « Monsieur Volcker, vous êtes très critique, après tout, on est financier, on fait notre travail avec les règles de la finance telles qu'elles sont aujourd'hui. » Et Volcker leur avait dit « Je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. » Alors, l'excuse de Nuremberg, c'est de dire « Moi, je ne savais pas, moi, j'étais juste garde-barrière, et donc, quand il y avait un train vers Auschwitz qui passait, je ne savais pas très bien ce qu'il y avait dans le train, je levais la barrière. Donc, je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi. Eichmann. » Et donc Volcker dit ben, « Vous, les financiers, vous n'êtes pas les gardes-barrières, vous êtes les plus diplômés, vous êtes les mieux payés, vous savez ce qui se passe, ne prétendez pas en plus que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe derrière. Donc je n'accepte pas vos excuses. » À méditer. Donc questionnez toujours le système dans lequel vous allez évoluer. Neuvièmement, ne pas créer de murs défensifs, c'est-à-dire ne pas ségréguer les pays pauvres et les pays riches. Hein, rappelez-vous la chute de Rome. Dixièmement, promouvoir une culture du mieux à la place d'une culture du plus. Alors, c'est très joli sur le papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réfléchir à nos instruments de mesure. Aujourd'hui, on a deux grands types d'instruments de mesure. La comptabilité nationale, le PNB. Hein, on dit tous les mois la croissance du PNB. En général, les gens ne savent pas combien c'est. Le PNB, je faisais le test au déjeuner, je n'avais pas forcément eu la réponse. Le PNB, ça naît dans les années 30. C'est une invention de la crise de 1929. Keynes, quand il écrit sa théorie générale en 1936, ne parle pas de PNB, et pour cause, ça n'existait pas. Donc on a créé cet outil de mesure à l'époque. Mais le PNB, toutes les critiques sont connues. Une des plus faciles est de dire, pour accroître le PNB de la France, vous prenez votre voiture, vous faites 50 fois le tour du périphérique à toute vitesse, à la fin, vous avez un accident, vous crachez votre voiture, mais coup de bol, vous survivez, mais vous êtes extrêmement blessé, et vous passez 50 ans dans une petite chaise, c'est très bon pour le PNB. Vous consommez de l'essence, vous cassez votre voiture, vous allez le garagiste, et puis en plus, vous avez le bon goût de ne pas mourir, mais d'être blessé. Donc, vous créez de la richesse toute votre vie. C'est absurde. Vous voyez bien que, bon, c'est évidemment, le modèle est un peu tiré. Donc, la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un autre instrument de mesure de notre activité économique? Donc, là aussi, petite question. Et en même temps, c'est aussi dans les années 30 que naissent l'unification des normes comptables telles qu'on les connaît. Dans le New Deal de Roosevelt, on parle de beaucoup de choses. On oublie qu'il a créé la SEC, l'autorité de marché américaine. Le premier patron de la SEC était Joe Kennedy, le papa de toute la tribu Kennedy, le président, son frère, etc., qui était un homme d'affaires un peu escroc sur les bords. C'est pour ça que Roosevelt l'a nommé. C'est comme en France, on nomme Vidocq, chef de la police, et bien nommé un ancien gangster policier, parce qu'il connaît les trucs. Donc, il nomme Joe Kennedy patron des autorités de marché. La première décision de Joe Kennedy est de dire « Toutes les entreprises font leur comptabilité comme elles veulent, ça suffit, maintenant on unifie. » Et donc, dans les années 30, on a créé un système de comptabilité publique et un système de comptabilité privée qui sont encore largement ce qu'on a aujourd'hui, à la suite de la crise de 1929. Je me permets de dire qu'après la crise financière, après la crise sanitaire, après la crise politique, après toutes les crises qu'on a connues, peut-être serait-il temps de voir nos instruments de mesure et de réfléchir à de quoi avons-nous besoin comme outil de mesure au XXIe siècle. Onzième point, j'arrive au bout parce que je vois que ça commence à saturer. Se rappeler le développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est laisser les toilettes dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé. C'est-à-dire que chaque génération fait des choix, mais que ces choix n'empêchent pas la génération suivante de faire ses propres choix. C'est ça. Alors la réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre génération, ma génération, pas les plus jeunes dans la salle, on laisse aux plus jeunes, pour parler financier, un passif financier, beaucoup de dettes, un passif environnemental, plus beaucoup de budget carbone entre autres, plus beaucoup de budget naturel, un passif social, des tensions partout. Je pense qu'il est urgent qu'on travaille à vous laisser un actif, si on veut rééquilibrer le bilan des toilettes avant qu'on s'en aille. Donc je pense aussi qu'il faut revenir à ces fondamentaux. Dernier point, c'est évidemment le plus dur. Tolstoï le disait bien, enfin plein de gens l'ont dit, mais je vais prendre la citation de Tolstoï. Dans « Guerre et paix », c'est ma dernière citation littéraire, dans « Guerre et paix », le prince André dit « Tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même ». Et donc tout ce dont je viens de parler, on aimerait bien que les autres le fassent pour nous. Comme le disent les enfants, papa, c'est vraiment la honte, tu prends trop l'avion, papa, tu t'es encore planté sur le tri sélectif. Ils ont parfaitement raison, c'est très compliqué tout ça. Il faut avoir la modestie de reconnaître que ça commence chez nous, mais que voilà, c'est difficile. Donc voilà, j'arrête là. Je vous dis encore une fois, je suis plutôt optimiste, malgré tout le sentiment contraire que j'ai pu vous donner, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'argent, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de technologie, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de gens qui cherchent, qui trouvent. Le Covid, en 9 mois, on a trouvé un vaccin. Aujourd'hui, on n'a plus de problème. Donc, quand on est vraiment dos au mur, l'humanité fait des miracles. Donc, j'espère qu'on va être capable, encore une fois, de réagir tous ensemble et de ne pas se perdre dans le brouillard. Merci beaucoup.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention très riche, à beaucoup de points de vue. En vous entendant, il y aura juste le petit mot que je vais donner ici, il y aura un temps de questions. Donc, vous pouvez déjà préparer l'une ou l'autre question que vous auriez. Donc, en vous entendant, je me posais la question, est-ce que l'économie est un destin? Est-ce qu'il y a un destin économique extrêmement complexe avec des lois? Et je pense qu'une des réalités que vous nous avez partagées, c'est que, bien sûr, il y a des lois économiques, mais que le destin économique comme tel n'existe pas. L'économie est une science humaine. Je me souviens, un jour, j'étais dans le train, il y avait un commando, quelqu'un qui faisait partie des commandos français, qui m'avait donné la maxime de son bataillon, c'est « si le destin est contre nous, tant pis pour lui ». Si le destin est contre nous, tant pis pour lui. Et vous nous avez montré, je pense, par votre intervention, que, notamment historique, que beaucoup de choses se sont décidées avec des hommes qui se sont rencontrés, qui ont réfléchi. Ce sont les hommes qui font l'histoire et l'histoire économique. Et vous nous avez notamment indiqué qu'un des leviers fondamentaux, un des cœurs du système Friedman, c'est celui d'une juste conception du profit. Et c'est peut-être avec ce point-là que nous pouvons aussi repartir en disant, mais comment est-ce que je situe le profit? Comment est-ce que je le calcule? Est-ce qu'il est un moyen en lui-même ou est-ce qu'il est autre chose qu'un moyen? Et du coup, vous nous laissez une véritable espérance d'une capacité d'action. Si l'économie n'est pas un destin, nous pouvons bouger les choses. Là où nous sommes, au niveau où nous sommes, au niveau, à tous les niveaux, l'importance du facteur humain, et je pense à traverser votre intervention, et vous nous avez peut-être aussi éveillé à la possibilité que l'idéal du passé au niveau économique n'était pas peut-être aussi idéal que cela. En nous laissant un tel passif, aux générations suivantes. Voilà. Et donc, vous nous laissez, au terme de cette conférence, je pense, un chantier immense, un chantier éthique où chacun a sa contribution. Je vous viens en 2015, ces trois adjectifs que vous avez donnés, résilience, aussi l'aspect de l'inclusivité, d'être pouvoir inclusif, de que personne ne soit laissé sur le côté. Merci pour cette boussole que vous nous avez donnée dans la tempête. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il y a Florent qui est là avec le micro. Ou des interventions, ou des observations, des objections aussi. Bonsoir, monsieur. Je vous remercie déjà pour cette conférence très éclairante. Qui a posé les questions fondamentales de notre société, même si les réponses restent encore à apporter. Par ailleurs, j'ai moi une question à vous adresser tout au long de votre intervention. On a le sentiment de rejoindre ce qu'on nous avait déjà promis, c'est-à-dire que, surtout à nos parents, parce que je suis de la génération plutôt neuve, on avait dit sans doute à nos parents que les réponses à leurs questions, aux problèmes de leur société seront trouvées dans les institutions internationales, dans une vision mondiale de l'économie, dans l'Europe. Et on sait à quel degré on a poussé nos parents dans une forme de marche forcée vers ces institutions, vers cette vision plutôt globale des choses. Je vais reprendre votre métaphore dès le départ, c'est-à-dire laissons notre jardin, regardons la planète. Mais je me pose la question, en l'état actuel des choses, comment est-ce que devons-nous regarder la planète quand nous-mêmes n'avons pas déjà personnellement développé des dispositions cohérentes et claires sur ce que nous voulons faire de notre jardin, compris que notre jardin est lui-même la base de la planète, c'est-à-dire s'il faut cultiver la planète, il faut commencer par cultiver notre jardin. Quand on regarde aujourd'hui l'état de la France, qui n'a pas la possibilité de relever son industrie qui ne représente plus que 11% de son PIB, dont l'investissement dans l'innovation se fait au lance-pierre, comment allons-nous nous-mêmes déjà penser
à regarder la finance mondiale et la part que nous pouvons prendre dans la finance mondiale si nous-mêmes n'avons pas développé en France et au niveau local, enfin au niveau national, des dispositions claires et cohérentes de ce que nous voulons pour nous-mêmes. Merci. Alors c'est effectivement le défi redoutable auquel on est confronté parce que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Et encore une fois, si on peut filer la métaphore sur le carbone, mais on peut la filer sur l'ensemble des sujets, si on adapte notre économie au bas carbone, mais qu'en face de soi, le Nigeria ou le Brésil n'en font rien, ça ne sert à rien. Donc comment est-ce qu'on peut à la fois s'adapter chez nous tout en aidant les autres à s'adapter? Donc c'est pour ça que c'est pour moi, le jardin, c'est les deux. De même qu'il fallait effectivement écouter les préoccupations de fin du mois avant de s'occuper de fin du monde, mais que les deux étaient liés. Et donc c'est compliqué parce que ça nous fait faire une gymnastique à laquelle on n'est pas prête. Et surtout, à un moment où, alors quand on est négatif, on appelle ça l'égoïsme, et quand on est positif, on appelle ça le repli sur sa famille et sur soi, et plutôt, après 2 ans de repli et Covid, la norme. Donc la question que vous posez, elle est absolument légitime. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de baguette magique, mais partout où je vais, je dis bien aux gens... Ce n'est pas parce que vous allez vous occuper très bien de votre jardin, et il faut s'en occuper très bien, qu'on va trouver une solution aux questions planétaires. Si le dérèglement planétaire se poursuit, vous pouvez être formidablement bien à Angers, mais ça ne durera pas. Et donc c'est dur comme message. Mais c'est vraiment cette gymnastique qu'il faut incorporer. Et oui, aujourd'hui, on se place, nous placer sur le plan social. Et pas seulement sur le plan environnemental. Donc aujourd'hui, on est plutôt en train de dire il faut relocaliser une partie de nos productions chez nous. Il faut arrêter de délocaliser, ou si on le fait, on ne le fait plus que dans des pays amis. Le friendshoring, comme disent les Américains, donc on délocalise dans des pays amis. Et puis, d'ailleurs, on va éviter les transports, parce que ça émet du carbone. Donc en fait, on va organiser une forme de repli chez nous, qui est à la fois positif, au sens où on rapatrie des emplois, on se sent plus serré, etc. Et c'est ce que font les États-Unis de manière très systématique. Les États-Unis affichent qu'étaient un pays très ouvert, deviennent un pays très protectionniste en ce moment, pour ces raisons-là. Mais quel espoir vous laissez à l'Afrique? Quel espoir vous laissez à l'Amérique latine si vous leur dites, écoutez, on ne veut plus commercer chez vous, on ne veut plus investir chez vous, et d'ailleurs, on ne veut plus que vous émigriez chez nous? Est-ce que vous pensez que c'est tenable dans la durée? Aujourd'hui, on est 500 millions d'Européens, et on a un âge moyen qui doit être de l'ordre de 50 ans. En face de nous, on a 1,5 milliard d'Africains dont l'âge moyen doit être autour de 19 ou 20 ans. En 2050, on sera probablement 500 millions, peut-être un peu moins, et on aura un âge moyen qui sera plutôt de 55-56 ans. En face de nous, on aura une Afrique de 2,5 milliards d'habitants, où l'âge moyen aura un peu augmenté, 21, 22, 23 ans. On voit bien que c'est une équation qui ne marche pas. Donc il faut qu'on trouve un moyen de s'occuper de notre jardin et de la planète et de le faire en constant va-et-vient. L'Europe ne gagnera pas toute seule. La France ne gagnera pas toute seule. Donc on a fait un certain nombre d'erreurs depuis un certain nombre d'années, et l'industrie en est une, et vous l'avez souligné justement. Ce qui est très dur aujourd'hui, c'est très anxiogène, c'est qu'on dit, mais on a tout à la fois. Alors là aussi, une anecdote que je vais partager avec vous. J'avais organisé, je me souviens très bien, le 14 mai 2010. Alors vous savez pourquoi ils se souviennent du 14 mai 2010. J'avais organisé un déjeuner au Crédit Agricole avec un certain nombre de représentants des élites, si vous voulez... c'était 4 jours après la première crise de la dette grecque. Et l'ambiance était très sombre. Un certain nombre de gens disaient, bah oui, alors, fin de l'euro, fin de l'Europe, la crise grecque, alors là, tout va très mal, c'est horrible. Et il y avait autour de la table un monsieur qui s'appelait Jacques de Chalendard, qui avait 90 ans, et qui, à la fin du repas, avait rien dit de tout le repas, et dit à la fin, écoutez, je vous ai entendu, mais vous êtes pathétique. Vous nous expliquez que tout va mal, qu'on va dans le mur, que c'est la fin de l'Europe, c'est la fin de tout. Moi, je suis rentré dans la fonction publique en 1940. En 1940, ça allait vraiment mal. Vous aviez le régime de Vichy, vous étiez occupé par l'Allemagne nazie, les Anglais étaient sur le point d'être battus. On n'a pas baissé les bras. Et en 1945, on a eu la période la plus extraordinaire. Donc arrêtez de vous lamenter, faites.
Donc voilà, c'est ce type de sursaut. Encore une fois, on n'a jamais eu autant d'argent, on n'a jamais eu autant d'analyse de ce qui peut être fait, de ce qui doit être fait, de nos ressources, etc. Donc comment est-ce qu'on est capable, collectivement, de repartir de l'avant et encore une fois, pour reprendre la métaphore d'Adrien, de retarder la chute de Rome. Moi, je suis désolé, monsieur est parti. Une autre question, peut-être. On va privilégier les étudiants. Ça va être plus court dans mes réponses suivantes. Oh, là-bas, il y en a... Bonjour monsieur, moi c'est Arthur Savadgo, L2 Sciences Politiques. Alors, j'avais quelques questions à vous soumettre, parce que vu que je suis de la nouvelle génération, j'aimerais soulever la question des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des jeunes ont tendance à aller sur le marché des bourses et tout, et l'on parle de monnaie virtuelle. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences pour nous, les jeunes, dans le futur, avec cette monnaie virtuelle, parce que vu les conséquences du pass sanitaire, cette question de logistique et tout, entravait beaucoup de travaux et beaucoup de déplacements vis-à-vis de certaines personnes que je n'aimerais pas vraiment m'hasarder pour des questions politiques et tout. Aussi, j'aimerais savoir quelle éthique cache cette nouvelle tendance des crypto-monnaies. Aussi, vous avez parlé d'engagement et tout. Donc, j'aimerais savoir, le fait de s'engager sur ces marchés de bourse et des crypto-monnaies, est-ce que cela nous rassure un futur fructueux par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'économie ancienne créée par nos pères et tout? Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous apporter des éclaircissements éthiques et tout. Merci. Alors, c'est un défi sur lequel je suis le plus interrogé et sur lequel je n'ai pas encore les idées tout à fait claires. Alors j'ai toujours eu un doute existentiel sur l'intérêt des crypto-monnaies au sens où, puisqu'on fait référence à l'or par exemple, c'est une valeur refuge, qui est indépendante des décisions des banques centrales, etc. Et donc, ce qui était intéressant avec les crypto-monnaies, c'est que ça s'est développé au moment de la crise financière. Donc, au moment où on a posé la question de la fiat monnaie, de cette monnaie qui dépend des décisions des banques centrales. Depuis 50 ans, je vous dis, les monnaies fluctuent et les gens ont eu le sentiment que, année après année, les banques centrales impriment, entre guillemets, de plus en plus d'argent. Et donc, il y a un doute sur ce qu'est l'argent. Et c'est au moment de la croissance de ce doute qu'on développe les crypto-monnaies. Alors, la réalité, c'est que je suis assez sceptique sur la valeur des crypto-monnaies en tant que telle. Mais derrière, il y a un certain nombre de vraies questions. Alors, il y a une question un peu libertarienne qui est la crypto-monnaie. Effectivement, on ne dépend pas des banques centrales. C'est la communauté qui gère, on crée sa monnaie, on la développe. Et donc, il y a un côté assez séduisant dans cet aspect de crypto-monnaie. La difficulté, vous avez vu avec l'énorme faillite américaine de cette semaine et les faillites en cascade d'ailleurs d'un certain nombre d'acteurs depuis quelques jours, c'est que derrière un idéal un peu généreux et libertaire, en réalité, avec un système qui était extrêmement fragile et qui est en train de s'effondrer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut rejeter tout ça? En partie oui et en partie non. Ce que les crypto-monnaies apportent, c'est d'abord une dimension technologique, c'est la monnaie numérique. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître, au contraire, les banques centrales veulent en faire. Alors, parfois avec des mauvaises idées, la monnaie numérique chinoise, c'est une manière de contrôler, de parachever le contrôle de la société chinoise par le gouvernement. Ça, vous saurez tout. Mais une monnaie crypto, je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis banquiers, ça peut être aussi une manière de court-circuiter les banquiers. Vous avez tous un compte à la BCE, vous n'avez plus besoin d'un compte au Crédit Agricole. Provocateur. Donc il va se passer un certain nombre de choses. Donc je pense que la question, elle n'est pas stabilisée.
Je pense que là, on traverse une phase de turbulence massive avec les faillites et les fraudes qui sont révélées aujourd'hui, qui montrent que derrière, il n'y avait pas encore de vraie éthique stabilisée de ces questions. Mais la question de la monnaie, elle ne va pas disparaître. Dans un monde où on s'est beaucoup endetté, dans un monde où la monnaie repose sur la confiance dans les banques centrales, et cette confiance, elle était un peu ébranlée par tout ce qu'on a vécu, ces questions-là vont se poser encore et encore, et je vais continuer à me les poser. Encore une fois, c'est un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup changé d'avis depuis 10 ans. Donc j'aimerais bien vous dire voilà ce que je pense, mais c'est encore un sujet sur lequel je suis un peu hésitant. Une dernière question avec une. Là-bas. Bonsoir, merci pour votre présence et merci pour les solutions que vous avez amenées sur la table. Ma question, c'était, lorsque vous parliez de manière générale dans votre conférence, de développement durable, d'écologie, est-ce que vous pensez que les changements qu'on va devoir apporter à notre système et les actions à grande échelle qu'on va devoir déployer, est-ce que vous pensez qu'elles doivent s'accompagner, comment dire, d'une participation de monsieur tout le monde, entre guillemets? Pour citer des exemples un peu plus concrets, il y avait eu récemment la question de couper les ballons d'eau chaude pendant certaines heures creuses pour effectivement sans que personne ne puisse s'y soustraire. Et puis de manière générale, où est-ce que vous mettez le curseur entre la liberté ou au contraire la liberté de ne pas participer à ce changement-là ou le développement durable, ou notre propre sécurité pour le long terme? Merci. C'est la question centrale, à plein d'égards. En fait, la question environnementale, elle est au carrefour de deux tragédies. La première tragédie, c'est quelque chose qui est très connu en économie, s'appelle la tragédie des communs. Tragedy of the commons en anglais. La tragédie des communs, c'est quelque chose qu'on doit traiter ensemble, mais pour lequel vous en bénéficiez et vous avez intérêt à payer le moins possible. C'est-à-dire que vous êtes très content de continuer à voyager en espérant que d'autres vont faire des économies et que ce n'est pas vous qui allez payer. Donc comment est-ce qu'on résout la tragédie des communs? C'est effectivement en embarquant, comme l'a dit monsieur tout le monde, que chacun fait un effort. C'est pour ça que d'un côté, il était risible de se précipiter sur les jets et les jets privés, et de l'autre côté, c'était parfaitement légitime. Pourquoi moi je fais un effort si Bernard Arnault ne fait pas un effort? Et après, on rentre dans des conversations qui sont complexes. Et donc comment est-ce qu'on embarque tout le monde dans un projet qui est commun? Et ça, c'est très important, et c'est un sujet économique qu'on ne sait pas. Il y a eu plein de livres sur les sujets. Je vous recommande Elinor Ostrom, par exemple, sur la gestion des communs. Partout sur la planète, comment on gère la ressource en eau, comment on gère la ressource en carbone, c'est très compliqué. Et ça demande de la coopération et de la confiance. Chacun travaille ensemble. Et on est justement dans un monde de défiance aujourd'hui. Donc c'est très compliqué. Donc première tragédie, la tragédie des communs. Comment est-ce qu'on gère ensemble des ressources communes? Et deuxième tragédie, c'est la tragédie des horizons. La tragédie du temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes un trader. En fait, ce qui vous préoccupe, c'est la prochaine seconde. Vous êtes le directeur financier d'une entreprise. Ce qui vous préoccupe, c'est les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois. Vous êtes le patron d'une entreprise. Vous allez réfléchir à 2-3 ans pour l'exécution de votre plan. Vous êtes président de la République. C'est le prochain mandat. Vous êtes gouverneur de la Banque centrale. C'est 5-6 ans. Il n'y a personne sur Terre qui est responsable, peut-être à part Xi Jinping maintenant, de regarder au-delà de 5-7 ans. Et donc la tragédie des horizons, c'est que finalement ces sujets-là, on sent qu'ils sont graves, on dit mais il y a des incendies, il y a des catastrophes naturelles, les glaciers fondent, l'eau monte, mais enfin ça durera bien encore un peu. Et donc on dit je vais prendre un engagement d'être à zéro en 2070. Très bien, moi aussi je peux dire la famille Badré sera en net zéro en 2070. Puis je laisse mes enfants et mes petits-enfants le faire. Donc cette tragédie des horizons et cette tragédie des communs fait qu'on ne sait pas bien gérer ces transitions. Et donc on tâtonne à chaque COP, on tâtonne à chaque conférence internationale, et les gens disent cette COP il ne s'est rien passé, c'est décevant. C'est à la fois vrai et inévitable. Donc ça c'est le premier aspect. Comment est-ce qu'on résout ces questions-là? Et on n'a pas trouvé de formule magique. On tâtonne et on avance, parce que quand même, bon an, mal an, on se rend compte qu'on approche du mur et qu'il faut réagir. Et puis l'autre question qui est celle que vous voyez, c'est monsieur tout le monde. Oui, il faut embarquer tout le monde. Parce que quand on parle de transformation, comme je disais tout à l'heure, il y a des gagnants et des perdants. Il y a des gens qui vont bénéficier de ces transformations et des gens qui ne vont pas bénéficier. C'était la question des gilets jaunes. C'est la question aujourd'hui de l'Afrique. On ne peut pas dire, on vous a dit ça depuis 5 ans, puis en fait on change.
Je vous prends un exemple que je partageais au déjeuner de midi. La question des fleurs. Les fleurs, vous le savez, vous ne le savez pas, la plupart des fleurs vendues en France sont importées. Et elles viennent du Kenya, d'Équateur et de Colombie. On m'a demandé d'investir dans des fleurs en Équateur. Et un des sujets qui se pose, c'est est-ce que c'est intelligent de mettre des fleurs dans un avion en 2022 ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de fleurs ? Alors la question, on n'a qu'à les faire pousser en France. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas le climat. Si elles poussent en Équateur ou au Kenya, c'est précisément parce qu'il fait toujours chaud et qu'il y a de la pluie. Donc, bien. En France, il faudra les mettre sous serre, ça, c'est compliqué. Donc est-ce qu'il faut complètement abandonner l'idée d'avoir des fleurs ? Parce que de toute façon, les fleurs, ce n'est pas bien. Donc, plus de fleurs, voilà, ça c'est la conséquence logique. Ou est-ce qu'il faut tempérer le fait que effectivement les fleurs sont dans un avion, mais grâce à ça, il y a des milliers d'emplois en Équateur, et donc tempérer le social par l'environnemental. Alors où est-ce que je veux en venir? C'est le concept de transition juste. Il ne faut pas une transition qui arrive d'en haut en disant « écoute, t'aimes pas, c'est comme ça ». Il faut que tout le monde y trouve son compte, et que ceux qui perdent, ben, on les accompagne, et ils perdent moins, et ceux qui gagnent, ils gagnent moins. Mais il faut éviter effectivement qu'il y ait une petite minorité qui dise « j'en ai rien à foutre et moi je continue à vivre comme avant » et puis les autres ont qu'à s'ajuster. Donc vous touchez du doigt la question la plus essentielle. Comment est-ce qu'on fait face ensemble à ce défi? On a trouvé la mécanique des COP sur le climat. On va avoir la COP sur la biodiversité qui s'ouvre à Montréal dans quelques jours. C'est ce qu'on a trouvé de moins pire. On met tout le monde autour de la table et on espère qu'il va sortir quelque chose. Mais il n'y a pas de police du climat, il n'y a pas de police de la biodiversité, il n'y a pas de police de l'égalité homme-femme, tout ça, ça n'existe pas. D'une certaine manière, cette police, c'est vous. C'est-à-dire qu'on est tous comme consommateurs, comme travailleurs, si je puis dire, comme investisseurs, on a tous une capacité à influencer le système. Et donc, c'est à vous de dire, je ne veux pas de ça. Je n'irai pas travailler dans une entreprise qui se comporte comme ça, je n'achèterai pas tel produit. Et si vous et tout le monde sur la planète réagit comme ça, vous avez une chance de faire bouger le système. Mais sinon, ça ne se met pas naturellement en ordre de marche, malheureusement. Et l'exemple que je suis désolé, je suis très long, mais c'est un sujet important. Regardez l'exemple de l'Europe. Regardez la question de la relation entre la France et la Grande-Bretagne. En Anjou, c'est un sujet important. Ça a été disputé entre France et Angleterre pendant des années. Il y a eu quelques batailles, etc. Ça fait 1000 ans que la France et l'Angleterre ont des discussions diplomatiques. Et ça fait 1000 ans que c'est compliqué. À tel point qu'on a eu le Brexit, et à tel point que Mme Truss, qui apparaissait très longtemps Premier ministre, quand on lui demandait « est-ce que vous êtes un ami de M. Macron ?» ou une amie de M. Macron et de la France, dit « je ne sais pas encore ». Ça fait 1000 ans qu'on discute, on ne sait pas encore si on est ami ou pas des Anglais. Alors, vous voyez, c'est un truc simple. Vous rentrez au G20, et j'ai fait l'expérience, vous rentrez dans une salle où vous avez autour de la table des Indonésiens, des Argentins, des Coréens, des Saoudiens, des Turcs. Et vous pensez qu'en 3 jours, vous allez vous mettre d'accord? Alors vous ne savez même pas le faire avec les Anglais avec qui vous êtes voisins depuis 1000 ans, vous allez vous mettre d'accord pour sauver la planète. C'est extrêmement compliqué. Donc voilà, c'est la planète sur laquelle on est tous embarqués, donc il faut qu'on pousse tous, mais il n'y a pas de maître du monde, donc il faut qu'on arrive à aller dans cette direction et à embarquer tout le monde, depuis les dirigeants du G20 jusqu'à monsieur tout le monde. Et c'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité, et c'est la question la plus essentielle des prochaines années. Si on n'y arrive pas, oubliez tout ce que j'ai dit. Merci, cher monsieur. Vous n'apportez pas de réponse toute faite, mais vous nous aidez à faire avancer la question. Grand merci, nous repartons avec ce chantier qui sera éminemment éthique en tête. Et la première étape et la prochaine étape de ce chantier, c'est de partager un bon verre de l'amitié à la sortie. Vous aurez aussi des livres de Monsieur Badré qui seront à vendre pour creuser les sujets. Bonne soirée à tous et merci de votre venue.